qui lance, eh bien, le sprint, 50 euros sur un homme, ce sera pour Paul V, toujours Paul V donc dans ce groupe, eh bien, on a reconnu également par 15-10 et 5, c'est à ce passage, 15-10 et 5, oh, quel beau sprint, le 6, le 33 et le 11, on a reconnu donc Maël Boivin devant. Et bien, gauche, avec les courants de lycée brestoise, et c'est le 56 devant le 44, c'est-à-dire Sylvain Vasseur. Chercher la suite du classement, voilà, aujourd'hui ce sont les battus, voilà, on va trouver là, et bien, sur l'abandon, emmené par Régis, donc Geoffroy qui emmène, donc là, ce groupe, on a le maillot jaune également, David Godu, on a le maillot vert, Mathieu Alléguin. Monsieur, formation Côte d'Armor Marie Morin, vos applaudissements, madame, mademoiselle, monsieur, pour Frédéric Guillemot derrière. On va venir chercher maintenant la deuxième place sur le podium. Tijoux est toujours en deuxième position pour le moment. Va-t-on gicler de l'arrière maintenant? Tijoux toujours là, en deuxième position. Tijoux en deuxième position, de l'autre côté là-bas. Tijoux est deuxième, Nicolas David troisième et quatrième position. Ça fait mitrailler, puisque là il s'agit du vélo club Pays de Lorient, qui termine en bonne condition également. Bravo pour donc le coureur l'orienté. Il s'agit là de Jérémy Ruellan. Il faisait partie pourtant du groupe de tête tout à l'heure et c'est terminé également pour ce concurrent donc. Avec notamment, eh bien, le coureur derrière, on a reconnu Guillaume Coquen, le formidable coureur d'Enbon Cycliste. On laisse les coureurs terminer maintenant dans les meilleures conditions. Un très très beau sprint, je cinéma avec Gaëtan Billon, le champion du Finistère. Donc Junior qui se fait déborder là dans le final. Et il y avait donc là également Anthony Rossiouk. Voilà sur l'avant, il y a un coureur qui a déchaussé, celui qui se monte le plus rapide. Voilà, c'est donc là qu'il y en joue allant avec le reste du peloton, avec bien sûr le maillot jaune qui était là également. Communauté, nous sommes à maintenant quelques minutes de fin. L'appel des concurrents, Daniel. 10 jokers, CC Bourblanc, 7 Morgane Coroller, 5 Renaud Iroise Vélo, 8. Avec le 217, l'Union Cycliste Pays de Morlaix, Pierre Lair, avec le 18, Mathias Lebillon pour le compte de l'UC Carré. L'Union Cycliste Pays de Morlaix à nouveau avec le 21, Baptiste Leroux. Donc bon courage à tous et puis tâchez de faire une belle course animée, surtout pour les spectateurs. Je vous donne donc le départ. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Voilà le départ de l'épreuve sous les applaudissements du public. Je peux vous dire qu'on va assister certainement à une belle bagarre. Voilà, ils étaient donc partis pour 12 tours. On a déjà changé le tour. Donc 12 tours de cette épreuve. Il s'y pense pas faire avec les autres coureurs également du vélo club de Châtelain. Voilà, il y avait trois. Donc il y a un prochain tour, il y a donc le classement meilleur animateur Gaëtan Sparfel en deuxième position, Thibault Lhermitte.
C'est bon, Malik ? C'est bon ? Martinez qui est là, avec un débours d'une minute et 52 secondes. 1 minute 52 secondes, et tout à l'heure c'était 1 minute 40. Voilà en tout cas l'homme de tête qui continue donc à augmenter son avance sur son second. Est-ce qu'il compte déjà plus de 3 minutes et 10 secondes, messieurs, 3 minutes et 10 secondes de débours, alors que ici on a marqué donc des points, on a marqué les points au passage, il y avait des points à prendre, hein. Je crois qu'on a bien fait attention puisque nous étions là en tout cas. Le corps de la roue de Bégaroise qui part pour le dernier tour au prochain passage, Maïlik, ce sera l'arrivée. Il n'a plus une marge podium, en tout cas pour l'homme qui aura dominé l'épreuve. Michael Lefebvre est sorti dans les premiers qui se trouve là en deuxième position. Il va partir pour le dernier tour où il devrait être aussi tout à l'heure et sur le podium. Ah, il se bat pour cette deuxième place. Remarquable également ce coureur. Voilà qui conserve toujours son avance par rapport au peloton, peut-être que l'on attend maintenant. Voilà, on va savourer en tout cas cette belle victoire. Allez, on va l'applaudir très fort à ce coureur qui n'a pas hésité à porter donc cette attaque. C'est un cadet également, première année. Voilà qui va prendre donc la deuxième place. Deuxième, Benjamin Martinez. On attend la suite. Maintenant, Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard s'engueule.